Personne. Ah, et bienvenue. Bienvenue dans l'épisode 100 de The Witcher 3. La chasse sauvage, on y est. Un épisode centenaire incroyable. J'aurais jamais cru qu'on tiendrait jusqu'à l'épisode 100 avec The Witcher 3 quand il est sorti il y a un an et... J'allais dire un an et demi, mais un an et un quart maintenant, ça ne veut absolument rien dire. Vous êtes très nombreux à dire, de toute façon, Bob, t'avances pas, tu papillonnes, tu veux rien dire. Je suis sûr, t'as remplacé Skyrim avec cette série. Bah, vous serez très heureux d'apprendre que Skyrim va reprendre au passage parce que j'ai terminé la chanson presque. Presque, il me manque quelques petites gouttes. Quelques petites gouttes, c'est ce que disait ton papa à ta maman le jour de ta conception. Du coup, tout de suite, eh ben non, en fait, pas tout de suite. Laissez-moi parler. D'abord, je vais me verser un verre. Oh, la qualité. La mousse, merde. J'ai mis de la mousse sur ma souris. C'est pas grave, tout va bien. Tout va bien. De toute façon, je n'ai pas besoin de la souris pour jouer à The Witcher 3. Je n'ai besoin que de la manette, donc tout va bien. Et pour cet épisode 100, vous êtes sans doute déjà très très nombreux à vous dire Bob, est-ce que cet épisode il va durer des heures? Peut-être, j'en sais rien du tout, regardez le temps de la vidéo, vous spoilez pas, moi dans tous les cas c'est absolument pas important. J'ai un seul objectif pour cet épisode 100, et c'est de me taper tous les points d'interrogation. Tous, sans aucune forme d'exception, à part ceux qui sont nécessaires à l'histoire, et encore on m'a dit qu'il y en avait qu'un, donc tout va bien. On va y aller sans aucune forme de pitié, et j'ai même installé un petit mode absolument délicieux qui rajoute un Geralt encore plus lisse qu'avant, un Geralt jeune, avec les cheveux détachés, un Geralt de l'amour, un Geralt musculeux, un Geralt fort et luisant, sous la pluie et la foudre d'une tempête, absolument incontrôlable et incontrôlé. Oh, les hormones vont voler, et c'est absolument ça qui sera bon, chers amis. J'ai remis quelques modes et j'ai rajouté aussi quelques détails, notamment le mode qui permet... Excusez-moi, j'ai oublié ce que j'ai rajouté. J'ai rajouté un mode qui me permet aussi de contenir plus de merdier. Hein. Oui, je prends mon temps pour cette intro. Après tout, cette vidéo va durer longtemps, donc on peut y aller pépère, hein, un grand coup de Dr. Pepper. Les voisins vont aussi m'agresser. J'ai installé un mode qui permet de contenir dans mon sac l'infini d'objets, vu que je vais faire tous les points d'interrogation et que ça va servir absolument à rien. Et dans tous les cas, la musique qui reprend, qui a fait un book, ça veut rien dire. Bref, il y a les Korbak, ils sont mignons. On est bien, on est prêt. Vous verrez tout ça, tout ceci en temps et en heure. Oui, on va faire les points d'interrogation. On est fou, on est parti et je le fais d'une traite comme un malade. C'est parti. Oh, une sushi. Oh mon dieu, il est sublime. Il est absolument sublime. J'ai envie de le lécher sur la joue. Ça ne veut absolument rien dire du coup. Voilà. Vous pensez ça saute de là hein? Moi je suis pas sûr. Ça me demande la petite sauvegarde rapide. Oula, ça se saute pas. Bon, note à soi-même, ça se saute absolument pas. C'est dommage. C'est pas grave. Il est où? Je l'avais pourtant. Je l'avais. Ah oui, oui. Subissez le courroux. Oh. Oh, je lui mets même un petit coup. Oh. Ah merde. Je peux pas le faire dans la flotte. On plonge, on prend l'arbalète. Ah, ah, blablabla. Ah, oh merde. Je les ai. Et je les ai eus. Félicitations. Victoire. Mablette. Ah, ça c'est une bonne mablette. J'ai aucune idée de comment t'es arrivé là, mais la magie du satanisme, on va dire ça. Allons-y. Tu passes la mablette? Mais oui, tu passes, regarde. Sat, mablette. Chat. Non, il veut pas sauter. Non, bah d'accord, il est quoi qui est mablette? La mablette, elle en peut plus. Miséricorde. Eh ben tu me diras, c'est pour ce genre de surprise que vous êtes restés pour l'épisode 100, chers amis. Allons-y. À la bataille! Boum! Un coup dans le basilic! Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas joisse? Quen! Ah ouais, bien joué! Oula, par contre, ça dit que son niveau est beaucoup trop élevé pour. Aïe, pour Mizig! Attends, c'est combien? 32! Non, mais non, c'est bon, le niveau il est bon là!
Le niveau il est bon, c'est une feinte. Bombe multimétérium, durée accrue, non c'est pas ce qui m'intéresse, c'est un coup de hard. Oula oula. Très bien. Ah merde. C'est pas grave. On va se le saucer, Et il garde un trésor. Ah putain, je l'ai payé celle-là, mais je le regrette pas. Tac. Allez, tu m'échapperas pas une seule seconde, tu ne peux rien faire face au tourbillon jeune et sublime et aïe. Le pouvoir de la jeunesse. Je me fais démonter le pouvoir de la jeunesse. Grenade. Bon, elle sert à rien, mais au moins elle me permet de gagner un peu de temps. Ok, très bien. Bon, dans ce cas-là, il ne faut pas paniquer, mon cher Lennon, il faut temporiser. Le secret de la bataille, c'est de temporiser. Ça marche bien. On va y faire confiance. On va prendre une petite potion d'hirondelle. On va remettre à jour le Quen. On va l'attendre. Bam! On lui en met une, on passe sur le côté, on prend l'avantage. Tac! On esquive latéral. Voilà, parce qu'il voulait faire une attaque par le dessus, j'ai bien vu. On Quen. Il tente l'acide, mais il échoue lamentablement. Et on l'achève! Ouais! Oh, décapitation! Ouais! Oh! C'est la meilleure invention que j'ai eue, ça. Trésor gardé. Eh ben, très bien, qu'il soit gardé. Bah, je peux pas quitter le bateau et c'est pour. Bah, non, bah oui! Bah, oui, on est bien! On est bien, Geralt! Aïe! Allez, va, niquez bien vos mères. Voilà. Non. D'accord, il se passe des problèmes. Bon. Il y a des problèmes de choses qui font que... La programmation du jeu, oui, non, ah... Là, ah, voilà, ça y est, voilà. On atteignait la limite de la programmation, chers amis, donc tout va bien. Ouah, parade. Ah, bien joué. Point. Résumé de l'épisode 100. Point. Ah, parfait. Un journal d'un avaleur de feu. Ça, c'est intéressant. Oui, j'étais présent à la légendaire assemblée de Lokmuin. Il a mis du paprika sur toute sa bite et j'ai... Non. L'avaleur de feu, chers amis. Peut-être que c'était le journal d'un mec qui pompait des bites au paprika, c'est... C'est des mecs qui se mettent du tabasco sur l'anus, hein. Écoute, pourquoi pas. N'essayez pas chez vous, les enfants. N'essayez pas chez vous. Pour l'amour de Jésus-Christ, de Allah ou de tout ce que vous voulez, n'essayez pas chez vous. Ça ne veut rien dire. Oula. 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 Lâchez pas trop long, vas-y. Montre-moi ça. Est-ce que c'est la... Oh, c'est la coiffure Léon Kennedy de Resident Evil 4. Je le garde. Adieu. La coiffure Léon Kennedy de Resident Evil 6. Oh, la coiffure du Lennon. Oh, il est sublime. Il est absolument sublime. Uskushi, Geralt. Oh, merde. Eh. Oh là, oh là, oh là, la guenon, là. Non, mais mon bateau. Mais... Mais quelle vieille traînée. Bon, au moins j'ai entendu... Si vous avez tendu l'oreille, vous avez aussi entendu son cri de douleur. La 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 la... Là, prends le coffre. Il veut pas.
pas prendre le coffre? Ils ne veulent pas prendre le coffre. Très bien. Non mais c'est sûr que c'est un comportement intelligent ça, Geralt. Tu vas te noyer et tu peux pas prendre le coffre. Ah bah c'est pas le bon coffre! Je suis une bite! Tout va bien. J'ai une tête de gland et la coiffure qui va avec. Impeccable. Le énorme qui est désorganisé. Oh non, tu nages. Non. Une minute de silence pour Haribo le bateau. Regardez la tristesse d'un Geralt. La tristesse au ralenti. Ok, mais c'est pas très grave. Geralt, c'est mon moment de tirer là. Je vous jure, je fais bumper droit, il ne veut plus. Geralt, il faut ouvrir le feu maintenant, Geralt. Non, je te jure, Geralt, il faut tirer. Geralt, tu vas mourir. Zigzag. Putain, Geralt qui a décidé de ne pas servir son arbalète en souvenir des bons et loyaux services du bateau. On se casse, on a ce qu'on voulait. Non, ils te suivent. Nage plus vite. Brasse. C'est bon. Point. C'est GTA. Bam. Hasta la vista, baby. Ça fait longtemps. Hey, ya. C'est tout ce que tu sais faire. Ah, bien joué. Ouah. Bien joué. Roulade. Combo. Raté. Oh merde, y a un deuxième. Je l'ai eu. Ok, tout va bien. Il y en a un deuxième. Prends un peu d'eau. Hop là. Ça désaltère. Et c'est déjà pas mal. Un coup d'eau. Plaisir. Fraîcheur de vivre, Hollywood chewing gum. Bouffe de l'ours. Non. Ouriez. Trop fort. Trop musculeux. Trop parfait. Oh, oui, pas de problème. Très bien, tu veux jouer à ça. Fight! Ok, note à soi-même, je ne peux pas l'attaquer à main nue. C'est pas faute d'avoir essayé, brave Jean, mais je ne peux pas l'attaquer à main nue. Gantelet d'armure lourde. Oh, les gantelets noirs. Il devient de plus en plus le perso de Castlevania, ça veut rien dire. Épée en argent pour lui, j'imagine que oui. Non, ce cas-là, on va prendre Endaith. C'est tellement stylé. Et allons-y. Chouing. Ouah. Ah oui.
Bien joué, bien joué. Belle blessure, la cyclope. Malheureusement insuffisant. Il est gelé, il peut rien faire. Tu as trop froid. Et voilà. Ok. Sauvegarde, et on y croit. Décoction d'archigriffon. Un mal pour un bien. Oh yeah. Allons-y. Putain de sa mère. Alors, Dr Pepper. C'est craqué. On va faire ça avec classe et avec talent. On y croit. Oula. On esquive. Oula. On esquive. Et on se prépare à le saucer. Esquive. Raté. Ah, il est là son nid. C'est là que se trouve son nid. Très bien, on va le faire tomber dans la flotte. Comme un sac. Oh merde, c'est moi qui tombe. Non. Non, tu triches. Non, c'est bon. Tiens, bouffe. Boum. Temps de faire 3 attaques et puis c'est marre. Boum! Ça l'a calmé, je crois. Gwen! Là. Je vais essayer de tomber devant, non? Non? Très bien, on le sauce. Oh! Putain, c'est pas passé loin. Très bien, il vole. Gwen! Une petite attaque en rasmotte. Allez, vas-y. Et boum! Alors, jamais se trouver aux côtés de son aile droite, c'est quand même très risqué. Et boum! Et voilà! Il reste 90% à mon Quen, je préfère leur charger. Dans la prudence. Oh là 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 là. Et boum. Très bien. Non, il faut que je recharge mon coup. J'étais en train de penser, est-ce que je joue l'insolence? Il veut me faire jouer l'insolence quand même, cet archigriffon. Hein. Vas-y, je peux te saucer après tout. Hein. Oh là. Ouh là 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 là, la roulade. Hop là, Irden. Je l'ai ralenti. Bon, ça ne sert à rien. Soyons sincères. C'est un archigriffon. Il s'en contrefout d'être ralenti. Il se gausse de mes efforts. Et il me sauce à loisir. Allez, vas-y, une patate et une autre patate. Vas-y, ramène-toi. On y croit. Allez, viens là, espèce de poulet surdimensionné. Tu es en calune à 5% de ta vie, tu vas pas la comprendre. Boum. 5% de ta life. Qu'est-ce que t'en dis, mon salaud? Quen, 100%. Je me ressource. On va la jouer patience. Bon, il est bugué dans un arbre. Tout va bien. Ah, tu veux la jouer avec le soleil dans les yeux, hein? Tu te prends pour un cowboy, c'est ça? C'est putain de Lucky Luke, dis-moi! Ah, malheureusement, mes 5% de dégâts ont disparu en même temps que l'attaque qu'il m'a fait. Bam! 1200 de coups critiques! Qu'est-ce que t'en dis de celle-là, Makai, hein? Ça sauce, hein!
Alors tu m'acides ou pas? Non, ça c'est une grosse explosion classique. Boum! Boum! Allez, on s'enfuit. Oula, un peu risqué Lennon, surtout que ton coin est fini en fait Lennon, c'est pour ça, t'arrêtes de te la péter. Et voilà! Boum! 1000 de dégâts, 5% de ta vie, j'assume que t'as 20 000 points de vie mon salaud. Et ben c'est très bien que t'en aies 20 000. Je finirai par tous les avoir. Attention, voilà, cette onde de choc, on s'y attendait. Elle était un peu prédite, un peu prévisible. Et par contre, la boum, tu l'as vu celle-là? Et tac! Et celle-ci peut-être. Elle t'a plu la petite sœur? Bon, j'ai esquivé une belle attaque derrière. Il faut par contre attendre. Et il faut temporiser. Vas-y, envole-toi. C'est ça, temporise mon salaud. Oula. On recharge d'abord. À mon rythme. Attention, voilà, ça c'est un grand coup d'aile. C'était couru d'avance. Ça c'est la grosse. Bien joué. Oulala, l'acide. Attention à l'acide. Alors c'est pas le moment de merder, Lennon. Est-ce que ça le repousse plus longtemps? C'était pas le bon moment pour tester. Et la réponse est non, ça le repousse pas plus longtemps qu'un vieux carreau d'arbalète tout pourri. Ouais, un vieux carreau d'arbalète tout pourri, donc ça sert à rien de gâcher ta mana. Ah. Trop tard. T'as perdu l'occasion de temporiser, c'est pas grave. C'est bien, t'as deux balles. Et boum! Voilà, boum. Boum. Hop là, la petite claquette, histoire de lui apprendre un peu qui c'est le patron. Boum, l'attaque en atterrissage dès qu'il atterrit de son jet d'acide. Enfin, s'il se croit malin. Boum, il s'est cru malin. Boum, il s'est cru malin. Boum, il s'est cru malin. Et tac. Oulalalala, c'est quoi ça? Ça ressemble à de la triche, ça. Ça ressemble à de la triche. Et boum. Voilà. Le laisse pas jouer à son rythme. Temporise. Te laisse pas déclencher. Voilà, bah très bien. Regarde, fuis. Voilà, tu vois, il veut jouer à son rythme, mais tu lui dis non. Lennon. Bam, là, tu lui en mets une, mais tu l'attaques pas, tu temporises. Il veut faire son fameux cri de Luciole, t'as plus de grenade. Il veut faire le malin, tu l'attaques à distance. Il veut faire le malin, tu l'attaques au bolter, voilà, très bien. Voilà, ça c'est bien ça. C'est un coup qui est un peu gratuit. Par contre, t'as plus de poigne. Bien tenté ça. Tu devrais esquiver plus sur la gauche, Lennon. C'est un peu risqué quand même ce que tu joues. Hein. Tu joues à un jeu dangereux, Lennon. L'acide. Boum! À l'atterrissage, tu le sauces, bien sûr. Où est ton Quen? Oh là là, t'es gourmand, Lennon. Aïe. Il fait son cri, mais il s'envole. Tu l'as, tu le tiens. Tu le tiens! 0 point de dégâts, on y croit. Boum! Et tac! 5% de barre de vie. Attention, te laisse pas baiser, il essaie de te faire jouer à son rythme. Là, t'attends qu'il atterrisse après l'acide. Et tu sauces! C'est gratuit! Là, t'attends qu'il atterrisse après sa cible.
Et tu... Ah merde! Et tu rates. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Tu te laisses pas décontenancer, tu te laisses pas décontenancer. Attention. Ouh là 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 là. Ouh là là non! Oh merde! Putain, je l'ai vu la charger! Je l'ai vu la charger, le fils de pute. Allez, on y croit. On y croit. On y croit. Il se fait avoir comme un poulet, l'enfoiré. Il se fait avoir dans le cul. Le cul, c'est son point faible. On l'aura. On l'aura, chers amis. Boum ! Alors, on l'aura dans le cul. Hop là, raté. Boum ! Oh là là, touché. Quen ! Non, non, on y croit, il y croit, il y croit. Il est en train de partir, il est en train de partir. Et là... Boum ! Oh là là, j'étais au cac. J'ai aucun remords. J'ai aucun remords. Il aime pas les ruches supérieures, c'est son point faible. Et ben écoute, on va lui en donner. Bam ! Bam ! Ouh là 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 ! Gwen ! Ok, très bien. Oh. Putain. Il s'est barré, il s'est barré l'enfant. Il s'est barré, il s'est barré. On l'attend le miaou. Boum ! J'ai cru qu'il préparait une grosse attaque, mais il s'avère que non. Oh là, on esquive ça, ça c'est gratuit. Ouh putain, raté. Très bien, très bien. Ça, ça l'affaiblit pendant un temps, ça, mais c'est pas non plus. C'est pas non plus la panacée. Ah, boum. Alors attention par contre, j'ai plus de. Oh là. Alors, je vais essayer de déloquer et de la jouer en mode déloc, chers amis, en mode délocalisé sur l'essai numéro 400. C'est l'essai numéro 400 comme dans Skyrim, on y croit. Ah, ta, 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 ta. Là, il en chargeait une. Je suis sûr qu'il en chargeait une belle. Boum! Là, il a pas vu. Ah, putain. Là, je l'ai raté. Ça, ça devrait le temporiser un petit peu. Ça me permet de temporiser. Hop là, la grosse flèche, on y croit. Un igni. Un igni, c'est une idée, un igni ou pas? C'est une semi-idée, un igni. Ça marche pas très bien, les ignis. Oh well. Olé. Quen, on le remet à jour. On le remet à jour, on le remet à jour. On prépare la ruche, le hard ou le l'arbalète. L'arbalète. Raté. Allez, on y croit, on y croit. Il attaque, il attaque, il attaque. Boum. J'ai raté mon coup, mais c'est pas grave. Boum. Ouh là là, il me met quand même. Il y a pas de limite. Il a pas de limite, ce griffon. Hein. Hop là, raté. Raté. Là, c'est peut-être l'occasion de lui mettre une petite grenade. Boum. Deux derrière les fagots. Encore une, écoute. Hein. Il n'y a pas de raison, je vois pas pourquoi on devrait s'arrêter aux bonnes choses. Est-ce qu'il brûle seulement? Il ne brûle pas. Oh là. Combien de fois il va tenter cette passe à la con? Recharge. Non, de toute façon je vais pas pouvoir esquiver son truc. De toute façon, voilà, là il bouffe. J'ai l'avantage. Il a l'avantage de la hauteur, mais il m'a pas eu. Bon. Sa vie a quand même bien tombé. Oh là là là, il a tout esquivé, j'ai raté mes timings. Hop là, celui-là il l'a bouffé. 1600 points de dégâts, ça fait pas du bien à tout le monde. J'ai plus d'armure par contre, faut faire attention Geralt. Hein, quand t'es torse nu comme ça, je sais que t'es sexy. Oh là, je sais que t'es sexy. Oh, c'est magnifique ça. C'est la touchette du bout de la bite, ça! La touchette du bout de la bite! Allez, reviens! Reviens, espèce de poulet surdimensionné. Ce coup-ci, je serai pas trop greedy. C'est mon 51ème essai. Je suis trop greedy, je suis trop greedy. Je suis greedy. Mais je n'ai aucun regret. Grenade. Grenade, ça, c'est bien ça! Voilà, deux attaques. Grenade, ça. Ça, c'est bien, ça. Deux attaques, voilà. Une attaque tourbillonnante et une...
Oh là là, il me hurle dessus, il fait tomber mon prier. Merde, moi je cale un Irden du coup, je suis bien là. T'es bien là, Lennon. T'es bien quand tu cales des Irden. T'es organisé comme ça. Ah voilà, très bien. Raté. Voilà, arrasse-le. Heureusement que j'ai vu son endurance tomber parce que contre le soleil je le voyais pas. Je vous cache pas, je vous cache pas. Je vous cache pas que je ne le voyais pas. Ouais, c'est bon, ça l'a fait temporiser. Moi aussi. Et je n'ai plus de grenade, oh well. Boum. Une petite fléchette, ça fait du bien. Oh là 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 là, mais c'est qui prend des risques ce griffon. Ah putain, son maxi cri. Maxi cri, maxi mouse. Allez, du coup. Oh là. Une balle. Deux balles. Boum. Allez, un coup. Le coup à 5%. Plus qu'à lui en mettre 6 ou 7. Oh là 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 là. C'est greedy, ça, les mots. Il est greedy, ce griffon, hein. Alors là, il fait l'acide, et là, boum, il est gratuit. Oh là là. Par contre, là, t'es greedy, là. T'es greedy. Ah, il fait son onde de choc, c'est bien, ça me stun, mais ça me fait pas de dégâts, ça me fait juste tomber le bouclier, en fait, je me rends compte de ça. Tu l'as touché. Oui, c'est bien, ça touche. Ça lui fait du dégât, mais ne gride pas trop, ne gride pas trop. Ah, t'es greedy, les noms, t'es greedy. En même temps, comment veux-tu ne pas être aussi greedy? Oh putain, je peux pas bouger à cause de cette espèce de vieille souche de merde. Oh, la souche qui m'a fait flipper. Oh là 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 là. En même temps, il fait son acide, le petit corps. Et boum. Ah, il fait tomber ton bouclier, mais c'est pas grave. Tu le reconstruis, tu te reconstruis un jeu. Tu le laisses pas rentrer dans ton esprit. Tu es le guac, tu maîtrises le guac. Deux coups, c'était gratuit. On y croit, on y croit. Tu en mets une, ça c'est juste pour l'insulte. Voilà, très bien. Très bien, très bien. Non, non, t'es trop greedy là, t'es trop greedy. T'es trop greedy, mon cher Lennon. Temporise. Profite de son attaque là à Icor, voilà, pour temporiser et te refaire un bouclier. Il a voulu le faire péter, mais il a échoué lamentablement. C'est bien pour toi ça, c'est bon pour toi ça, Lennon. C'est bon pour toi ça. Tu recharges, bam, t'en calmes. Il arrive devant tes yeux, c'est nickel. Oh là 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 là, tu te fais pas avoir par ses attaques surprises. C'est bien ça, Lennon, ça c'est bien ça. C'est bien, c'est bien. C'est bien ça. Allez, allez, il est au bout. Il est au bout, Lennon. Il est au bout. Il est au bout de sa vie. Il est au bout de sa vie. Il est au bout de sa vie. Non, tu tombes. Tombe pas, fais pas le con. Ah, putain. Ce drama psychologique. Et tu cales un Irden bêtement au lieu de caler un Quen. Mais c'est pas grave, il est parti dans les airs. T'as le temps de caler un Quen. Regarde, t'as même le temps de finir ça en beauté pour YouTube. Bob Lennon de YouTube. Ah putain, c'était risqué. C'était greedy ça, Lennon. C'était greedy. Oh putain, c'est très greedy ça, Lennon. Tu deviens trop greedy sur la fin, Lennon. Ouh là là, ça c'est greedy ça. Mon dieu, mon dieu. Ce que ne ferait pas Bob pour le spectacle, brave Jean, chers amis. Ah, il fait tomber ton pli, il est fier de lui. C'est bien, c'est bien. Venant d'un poulet surdimensionné, y a rien qui me surprend. Et boum! Et voilà! Archigriffon level 50! Qu'est-ce qu'il y a, salope? Geralt! Oh! J'aimais Maybelline. Et tout ceci est à moi.
Ah, j'ai vraiment la guigne. J'achète un cheval, il s'avère boiteux. J'épouse une gueuse, elle se révèle être une sale garce. Je construis une maison, la foudre s'abat dessus, moins d'un an après, il a réduit en cendres. Et la seule fois où la chance me sourit et me permet de rentrer avec un raid d'un beau butin, il y a que 20 pièces d'or. Un griffon va nicher au sommet de la montagne où j'ai caché mon trésor. Bordel, je crois que je peux m'estimer heureux de ce que ce soit pas un putain de dragon. Enfin, c'est comme ça, c'est pas la première fois que je dois faire face à un coup du sort. Je chasserai cette créature, même si je dois y laisser la vie. Eh ben, il lui a laissé la vie, le minable. C'était un travail de sorceleur. Oh ! Un travail de sorceleur beau. Bordel de merde, mais tu vas le ramasser, oui ? Tu vas la ramasser, la bœuf ? Putain, mais il veut pas ramasser la bœuf. Il me rend fou. Il me rend fou. Bon, là, il y a du nerprin. À 800 mètres sous la flotte, il y a du nerprin. J'en ai rien à foutre. Je vais aller chasser le nerprin. Voilà. Oh pardon, oula. Oui, parce que moi je branche la beatbox sur le. Mesdemoiselles, pas toutes en même temps, il y en aura pour tout le monde. Voilà, exactement. Oui, oui, alors la position bioman, très respectée, très respectueuse. Ah là, mademoiselle. Enchantée. Bonsoir, je suis le récupérateur de trésors. Il y a les clés qui peuvent tout ouvrir. Mon job implique généralement d'être torse nu, très humide, et de mettre des cartouches à tout ce qui nage dans ma direction. Geralt de Rivier dans les profondeurs des abysses. C'est moi la sirène fait un salut nazi. Bah écoute, ouais, on pourrait déplacer son cadavre, je lui ferais faire une quenelle, mais bon. Le gars qui s'amuse avec la physique des cadavres de The Witcher 3, tu sais. Allez, encore. Encore. Répare-tout la putain de toi, là. Vas-y. Boss. 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 Je peux pas aller aussi vite, monsieur. Tais-toi et martèle. Martèle, martèle, l'enclume. Comme j'ai martelé l'utérus de ta mère avec ma bite, gamin. Ma mère? Vous voulez dire Marie-Madeleine? Non, pas elle, gamin. Ça, c'était ta grand-mère. Rappelle-moi de repasser la voir. Elle est morte, monsieur. Exactement, gamin. Le mec, il est sans pitié. Mais monsieur, je suis forgeron, pas cordonnier. Répare mes bottes. Mais monsieur, tais-toi et martèle au marteau. Mais ça sert à rien de marteler des bottes, monsieur. Ta gueule. Il commence à lui mettre des coups de genoux, tu sais. Cyclope. Oulia. Ah, raté. Bien joué, mécréant. Ah putain! Ouh! Ah! Ouh! Raté! Yeah! Et voilà! Même pas une interlude. Tout juste un échauffement. C'est tout ce que tu sais faire, ça. Vous êtes sérieux? Oh là 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 là! Brûlé! Oh, ça lui plaît pas, ça! Le vétérinaire va avoir du boulot, mon minet. Encore. Liquidation terminée. Oh. Je me sens Clément. Ressources insuffisantes pour continuer. Je me sentais Clément, chers amis. Je me sentais Clément. Quel régal, quel régal. Chic, 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 des Romains. Ça faisait longtemps. L'heure du masque. Ouais. Bien tenté, mais insuffisant. Oh. 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 Oh.
Oh, oh, bien joué, les doubles d'attaque combo. Les paysans qui connaissent les strats. Les paysans qui connaissent les strats. Oh, bien joué. Tu veux m'en mettre un coup de matraque comme ça? Oh, c'est stylé. Les vrais combats de cape et d'épée. Oh, trop stylé. Trop stylé. Le masque. Oh merde. Un survivant. Oui, règle-moi mon compte. Ouais. Deuxième essai. C'est ta dernière chance, petit. Oh, trop lent. Mais pas assez rapide pour le masque. Oh, oh, je m'en lasse pas. Oh, la baleine est buggée. Oh, elle est buggée. Oh, elle est buggée, la baleine. Oh, la baleine, elle est dans l'espace. Allez, va. Oh, merde. Aïe, aïe, aïe. Je me doutais que j'allais me faire agresser par ces saloperies. Oh, la baleine, elle est dans le warp. La baleine, elle en peut plus. Ah, oh, c'est du grand nawak. On va remettre une épée en argent et cesser de faire le gland. Voilà, Tizona. Je crois que j'avais celle-là. Elle est moins bien, on s'en fout. Où est mon arbalète? Où est mon arbalol? Elle est là, l'arbalol, très bien. Très bien. Oh là là, cette baleine qui est restée dans le warp quand même. Brem. Je me demande s'ils ont modélisé tout le... Ouh putain, c'est des gantelets ou un... Je crois que c'est des gantelets. Je me demande s'ils ont modélisé tout le corps de la baleine. Ou s'ils ont juste modélisé le dessus et la queue, tu sais. J'aurais peut-être dû me déplacer vers la baleine buggée pour voir ça. Ah bah en fait, elle est là, en fait, elle est juste là. Eh bien écoute, on va voir un petit peu jusqu'à quel point CD Projekt fait bien son taf. CD Projekt, le masque vous juge. Oh merde. Les mecs, ils ont couvert leurs erreurs quand même. Ah, les gars, ils sont solides. Mec, ils couvrent leurs conneries, mes propres... Ouais, c'est ça. Ouais. Oh, il me bait. Le jeu, il me bait, chers amis. Le jeu tente de me provoquer. Mais je vais l'ignorer. Voilà, je vais l'ignorer. Voilà. Je vais l'ignorer. Le jeu qui essaie de me baiser la gueule. Des bandits. Je vais vous saucer. La sauce. Oh oui, frappe-moi encore. Frappe-moi encore. Tu te souviens, Snake? La sensation du combat? L'entrechoquement d'os et de tendre. Bon. C'est ce qu'on appelle un échec du Lennon. Un échec total du Lennon. Le Lennon qui reprend la verge. Qui remarche au village. Mais tu sais, il est complètement trempé. Tout le monde le regarde comme s'il était complètement zarbe. Je l'ai pas eu celui-là? Ah merde, non, je l'ai pas eu. Oh! Oh le guac! Oh le guac interdimensionnel! Le guac spatial! Oh le guac spatial! Bon! C'est pas grave! On assume et on y retourne. Si tu peux voir l'œuvre de ta vie détruite en un seul instant et sans pousser un soupir, te mettre à rebâtir. Alors tu seras un homme, mon fils, mais tu t'es quand même bien fait baiser. Hein. Rien à foutre, j'y retourne. C'est l'heure de la punition à la brasse, les amis. Hein? Chou! C'était pas ce que je voulais. Je voulais juste jouer au Witcher 3. Je voulais faire un
presque un 100% du jeu, tu vois, comme dans Brutal Legend. Je voulais vous montrer une aventure interactive et incroyable. Je sais plus ce que je voulais. Oh, mais ce fail intergalactique. Voilà, il y a un bateau qui est là, mais là, il y a un ours. Il y a des priorités, braves gens, dans la vie. Range ça. Non, Geralt, tu triches, Geralt. Je suis un ouf. Bon. Rip l'ours blanc, chers amis. Geralt a triché. Il a utilisé son épée un moment. Oh, c'est pas très sport, gars. Pas très sport. Et il me semble que ce sera le dernier truc en bateau, hein. Oh là là, mais le dernier truc en bateau, les mecs. La dernière cage de contrebandier, t'es sérieux? T'es sérieux? Oh, excuse-moi. Allons-y, prestement. Oh, la stèle du masque. Aïe. C'est magnifique. Est-ce que c'est un hôtel à Ouroboros? Saute, ma blette, saute. Oui, glisse, ma blette. Utilise la physique. La magie de la science, ma blette. Les arbres, ma blette. Allez, ya. Ma blette. Fais pas ta tête de cochon, ma blette. Oui, ma blette. Va, ma blette. Vole, ma blette. Glisse, Geralt, surf. Messieurs, dames, bonjour. Ah, waouh, bien tenté. Je suis bel et bien un homme qui vient d'arriver du ciel. Que voulez-vous, je fais ça tout le temps. Les chaînes, petit les chaînes. Les choux. Les chouilles. Ah. Parfait. Ah, très bien, allons-y. C'est bien, loulou. Ah. Mist. Mais... Ah. Ouais. Je sais pas ce que tu prévois. Mais je dis non. Au. Dix. Ah putain, mais la visée automatique qui me fait viser les loups à la con. Barrez-vous les klebs. Barrez-vous. Méchant chien, très bien. Il est où? Ah putain, j'ai gagné. J'avais même pas fait gaffe. Victoire. Et voilà. Impeccable. Récupérons la tête de Stan Merde. Je suis sûr, j'ai pas besoin de mon couteau, mais enfin bon. C'est pour la cinématique. Pas des gantelets, genre plus des gantelets d'écuyer. Enfin, d'écuyer, d'écuyerie. Des gantelets d'écuyerie. Oula, mais les noms. Oula là, mon Lennon. Mais c'est que c'est interdit ce que tu racontes. Des gantelets d'écuyerie. Oh oui, les moufles. C'est bon ça. Ou les gants violets. Oh, excuse-moi. Des gantelets d'écuyerie, quoi. Les noms. Qu'est-ce que tu fumes? L'écuyerie, quoi. On est là. Oh oui, un bon slide, là.
Ouh, ça va être le slide de l'amour. Ça va être le slide de l'amour. Ça m'a l'air un peu... Ouh, c'est slidé. Oh merde. Oh bah non. Oh bah non. Oh bah non. Oh bah non, c'est bourré. C'est bourré. Bourré. Oh non! Oh non! J'y étais! Je suis dégoûté! Je suis dégoûté! Je suis dégoûté! Je suis dégoûté! C'était là! C'était là! Je l'avais! Je l'avais, je l'avais! C'était le plongeon le plus incroyable! Le plongeon le plus incroyable de l'histoire! Je veux le vivre! Je veux le vivre! Je veux le vivre, je veux le vivre quelque part! Quelque part, je veux le vivre. Je vais charger la sauvegarde une ou deux fois. À chaque fois, ça prend 30 secondes, hein, chers amis. On est sur YouTube, on perd un temps fou, c'est pas grave. 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 Légite. Légite. Légite, Geralt. Non létal. Mais il a pas fini les points d'interrogation, le Bob. Oh là là, tous ces gens qui veulent voir du titre, c'est pas possible. Lapin. Ah, victoire. La quête qui me récompense pour avoir tué un lapin. Fais pas le con, Lennon. Est-ce que tu vas penser à la superposition en fin d'épisode? Est-ce que tu penses à la superposition, Lennon? On ne sait pas. On ne sait pas, on verra bien si t'y penses. Dans tous les cas, voilà l'armure de l'ours. Normalement, elle est censée être en vert. Merde, j'ai pas pris les épées. Est-ce que je suis un gland? Est-ce que je suis un glandu? Mais je suis un glandu. Bon, c'est pas grave. Voilà l'armure de l'ours telle qu'elle est. Après le DLC, c'est pas moi qui ai changé la couleur. Hein. À la base, elle était rouge. Grâce à mon mod. Mais mon mod ne marche plus. Le DLC Blood and Wine... Blood and Vine, pardon, a changé la couleur en noir. Ce qui est stylé, il faut l'avouer. Geralt. Oh là là, il est sublime! Il est sublime! J'ai envie de lui lécher les cheveux. Oh là là. Le vieux camé dans son jardin qui arrache ses plants, tu sais. Mais qu'est-ce que vous faites à mes carottes, ta gueule? Il est où le nigre d'eau? Il est où? Et il arrache les plantes et tout, puis il part en courant comme ça. Ah, Bob a trouvé sa weed. Ça y est. Ça y est. Dommage qu'il n'y ait pas un point de téléportation directement pour aller voir Bébert. Ok. Ya yeah. Pourquoi pas porter les lames à la taille comme tout le monde? Parce que ça me gêne quand ta femme me suce la bite. Je parle mal. Je parle mal. Salutations et bonjour, Geralt. Bébert, forge. Voyez-vous me... Fais de l'art. Montre-moi l'art. Oh! Utskushi! Ah, oh, Dieu merci. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Non, chat! Chat supérieur. Pour le chat supérieur, il me faut de l'éther. Le chat, c'est quand même très utile, donc il me faut un éther. Bonsoir, Zuzia. Je suis venu me faire Zuzia la bite. Excusez-moi, le Lennon s'amuse. Perso, ça m'a l'air un peu craqué quand même, 20 pièces d'or. Hein. Toi, je serais moi, je paierais 200. Pourrais faire la paix. Bon, merci. Ah, toi, l'endurant. Je me déshabille. Oui, et je vais te peindre comme une femme française. Française? Ça veut dire quoi, ça? De Novigrad. On dirait que tu n'aimes pas ton travail. La plupart des gens méprisent ce qu'ils font pour vivre. Mon homme vide les poissons au port. Il a beau se laver, l'odeur ne le quitte plus. Ma mère est potière. Elle a les mains si calleuses qu'on se couperait avec. Et moi, après 10 ans passés sur le dos, bah... Autant pas en parler. Faut bien gagner sa croûte, hein. Voilà tout. Bon, tu comptes me sauter, oui ou non? Eh ben, je suis quand même très content que mon instinct m'ait instinctivement dirigé vers la fille qui avait l'air d'apprécier le plus son travail,
qui avait au moins un objectif de vie, hein, qui avait au moins une idée ou la tête sur les épaules, parce qu'entre la camée et la dépressive, oh écoute. Tu es du genre direct. Mais oui, je pense qu'on pourrait prendre du bon temps. Très bien, suis-moi. Mais je te paye pas pour qu'on baise, hein, je te paye pour qu'on aille à la fête foraine. le twist scénaristique, elle s'y attendrait trop pas, tu sais. Oh, va retourner faire du contenu, Geralt. Va, et laisse-moi méditer. Oh, oh miséricorde.